Bonjour les enfants. Alors, pour notre petite évaluation apprentissage de graphisme aujourd'hui, je vais vous demander de préparer, demander à papa et maman de préparer une feuille comme ça, avec un point de départ, un point d'arrivée et des petits cercles qui font un petit chemin. So, I will ask you to prepare something. Like that. OK. Departure. OK. All the paths. Et and you we will evaluate the graphism, sorry, with your kids, OK? Vous avez besoin aussi d'un petit dé de 1 à 4 ou de 1 à 6. Suivant ce que connaît le mieux votre enfant, ou de 1 à 5 aussi. Ok, un petit dé, so a dice. From 1 to 4 or 1 to 6, as you prefer. Ok. Et ensuite, vous devez préparer another dice or just cards with graphism. So, horizontal line, vertical line. How do you say? Grid, sorry, great, right, grid, sorry, dot, circle, scale, and cross, ok? Donc, that, or for the younger, you can use color, ok? Red, alors, color. I will say in French, rouge, bleu, vert, violet, ou là là, et orange. OK? Et le but du jeu, c'est de tirer le dé. OK? I did one. And you have to take, don't show him, he has to choose un, et on doit choisir un graphisme, circle. Donc, je vais devoir, enfin, votre enfant va devoir dessiner dans la case 1, ok, dans la case 1, je vais dessiner des ronds, en partant bien de la droite vers la gauche, je fais mes petits ronds. Voilà. OK? You have to do some graphism. Again, je tire. J'ai fait 4. So, 1, 2, 3, 4. Et ici, je vais devoir, je pioche un autre graphisme. OK. So, I have to draw. Vertical. Horizontal sans dépasser. From here to here. Stop. From here to here. Stop. OK. Et je continue comme ça. OK. For the younger, so you can do. Pour les plus jeunes, vous pouvez faire avec les couleurs, ok? So for the younger, they have to take one color, rouge, et je tire 3, 1, 2, 3, et je peins ma case en rouge. Sans dépasser, we try to color in the circle. Ok, so only yes. This is for the younger. Ça, c'est pour les plus jeunes, mais si vous voulez faire une partie avec les couleurs avec les plus grands, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse jouer et s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez m'envoyer le travail, l'activité finie de votre enfant afin que je puisse voir un peu où ils en sont au niveau du graphisme? Please, can you send me the picture of the activity at the end to know how they are doing their graphism? And if they need help, please tell me. Don't worry, it's not a problem. I just want to know for next year, okay? Et dites-moi si votre enfant a eu besoin d'aide, peut-être sur certains graphismes, juste pour savoir pour l'année prochaine. Voilà, pour la suite, où ils en sont. Allez, bonne journée et à très vite.